Bonjour, c'est Arnaud, bienvenue avec moi. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon quotidien de responsable golf au YouGolf Nancy Ingeray. Actuellement responsable golf au YouGolf Nancy Ingeray. Je suis arrivé ici il y a un an et demi à la suite de mon alternance avec Win. J'ai commencé mes études par faire un an d'information communication en fac de lettres, chose qui m'a pas trop plu à vrai dire. Donc assez vite, à partir de décembre, j'ai commencé à rechercher une autre formation et c'est là que je suis tombé sur Win. Je me suis dirigé vers l'école, j'ai rencontré Steven, on a pas mal échangé. J'ai donc fini par intégrer à la rentrée suivante le bachelor management du sport. Premier gros point positif de la formation et qui m'a aussi fait sauter le pas et qui m'a engagé chez Win, c'est la partie professionnalisation avec au cours des différentes années, vous avez la possibilité de découvrir plusieurs métiers via les missions professionnelles en première et deuxième année, via les stages de 3 mois minimum en première et deuxième année également, mais aussi le but ultime qui est au bout de la troisième année, vous arrivez, vous êtes en alternance, où là pour le coup vous pouvez vous intégrer pleinement dans une entreprise. Un autre point très positif dans la formation, c'est la partie enseignement, où là pour le coup on est tout le temps encadré par des professionnels du sport, que ce soit des gens du milieu du basket, du foot, du triathlon, etc. On a vraiment l'opportunité de communiquer et d'apprendre avec des personnes dont c'est le métier, et pour le coup c'est très enrichissant et passionnant. En troisième année, j'ai fait mon alternance au YouGolf Grand Nancy Pulnoy. En février, il y a eu une grosse restructuration du groupe au niveau régional et je me suis donc retrouvé à terminer mes 6 derniers mois d'alternance au YouGolf Nancy Ingeray, là où on est actuellement. Et à la suite de cette alternance, j'ai eu l'opportunité d'être embauché à temps plein en CDI. J'ai donc fait le choix de continuer directement au golf, d'arrêter les études. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un choix payant. Justement, ce que j'adore dans ce métier de responsable golf, c'est qu'on n'a pas de journée type. On passe par toutes les missions possibles et inimaginables dans le golf, que ce soit de l'événementiel avec l'organisation et la gestion de compétition, de la gestion du personnel évidemment avec toute la partie ressources humaines. Et il y a aussi évidemment toute une partie accueil des clients avec la gestion de produits d'abonnement, qu'elle s'ajoute en fait toute la partie gestion de la boutique. Donc là pour le coup, c'est commandes, entrée en stock, relations avec les fournisseurs, etc. C'est un panel assez large de mission et c'est justement ça qui est ultra motivant. Chose assez simple, si vous voulez travailler dans le sport, rapprochez-vous des écoles spécialisées comme Win, rapprochez-vous plus particulièrement de leurs conseillers formation, ils sauront vous guider, vous donner les contacts les plus proches et les plus fidèles à votre projet. Alors n'hésitez pas et surtout, gardez la motivation, c'est super important, c'est un milieu où c'est assez difficile d'y rentrer, mais une fois que vous y êtes, il y a plein d'opportunités, soit de garder son poste, soit d'évoluer.